Franchement, c'est honteux, vraiment honteux, hein, de faire une deuxième mi-temps comme ça. C'est honteux. La défense qui se chie dessus. C'est quoi ce match, la vérité? Ils crient, les Lyonnais, ils sont contents. Bien sûr, ils savent qu'ils ont fait un hold-up. Trois demi-occasions, trois buts. Allez, bonne soirée, bonne nuit. Voilà, les nerfs, franchement, les nerfs. Ah ouais, tu es malade, tu te rends encore plus malade. Bonsoir, les fadas et les fadates. Je suis dégoûté, franchement, je suis dégoûté. C'est quoi ce match? La vérité, il faut le voir pour le croire qu'on a pris 3-0 contre des chèvres pareilles. Ouais, je pèse bien mes mots, contre des chèvres pareilles. Parce qu'on est au-dessus. On est au-dessus, frérot. C'est clair et net. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on est au-dessus, mais on n'a pas été au niveau. Voilà, tout simplement. Si on joue au ballon, on est au-dessus. Et voilà, tu fais une deuxième mi-temps où tu te chies dessus. Catcher ta carte, va bien manger mes couilles. Tu es une merde. Espèce de gros enculé avec ta barbe, là. On aurait dit une chaussette que tu as sur le visage. Tu pues la merde. Tu fais quoi? Tu fais quoi sur le deuxième but? Tu fais quoi? Il y a un défenseur dessus. Tu fais quoi là-bas? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais sur le ballon là-bas? Tu n'as rien à faire là-bas. Tu le sais qu'il va centrer. Il n'a que ça à faire. Hein? Et Saliba, comment? Le mec, il est seul. Il y a un attaquant dans la surface. Un, c'est Dembélé. Il est au premier poteau et il est tout seul. Mais vous foutez quoi, en fait? Hein? Genre, t'inquiète, il va centrer sur moi, il verra pas Dembélé. Faut arrêter les conneries, faut arrêter. Faut arrêter, les gars, non. Faut arrêter, tu peux pas jouer un match aussi quand tu as 4, 5 occasions en première mi-temps et que tu n'en mets pas une, frère. Tu n'en mets pas une, frérot. Hein? Alors un match, c'est bien de le jouer, mais pour le gagner, il faut mettre des buts. Et pour mettre des buts, il faut avoir des buteurs qui mettent des buts. Voilà, tout simplement. Le FC Stérile, l'Olympique de Stérile, de Montvier, vous nous avez fanés, franchement, vous nous avez fanés. Vraiment pas de figure. Comment il s'appelle? Kolasinac, tu es éclaté, tu es, va te cacher, frérot. Tu es mort, tu es, frérot, tu es nul, tu es... Tu es moisi, on aurait dit un fou, on aurait dit. On aurait dit un fou, va te soigner, tu as 40 de fièvre, tu as. D'ailleurs, moi aussi, je suis malade, ouais, ils m'ont rendu malade, l'équipe, vraiment, vraiment. Vraiment, franchement, c'est un putain d'hold-up. C'est un putain d'hold-up. Under. Oh, Under, qu'est-ce que tu as, frérot, Under? On l'a pas vu, les gars. On l'a pas vu. Under, on l'a vu sur la feuille, on l'a vu rentrer à l'engagement, et la deuxième fois qu'on l'a vu, c'est quand il est sorti. Arrête, frérot, réveille-toi. Ah, c'est normal que tu joues de moins en moins si tu commences à, hein, à faire n'importe quoi, frérot, réveille-toi. Non, réveille-toi, les gars, faut qu'il se réveille, Under. Faut qu'il se réveille, Under. Ah non, c'est trop. C'est trop, Milik, tu rates tout, frérot. Tu rates tout, tu touches canette, des caviars, tcha. Putain, tu es un platane, tu es, mon frérot. Tu fais 2 mètres 120 kilos. Réveille-toi, frère. Impose-toi, je sais pas, moi, mets un but, fais quelque chose. Putain, c'est n'importe quoi, franchement. C'est n'importe quoi. L'arbitre, on le connaît, j'ai oublié son blaze, là. C'était quelle espèce d'enculé, là. Hein? Yamen, hein? Les selles, son aisselle, c'est quoi? C'est une aisselle qu'il a ou c'est quoi, frère? Hein? Elle lui touche là, au niveau du coude, hein? Au niveau du brassard, tu me dis l'aisselle. C'est quoi? Il a une aisselle, elle fait quoi? C'est la planète, son aisselle? Arrête tes conneries, hein? Faut arrêter. Même pas, il va voir les images, cet enculé d'arbitre. Pour te dire, même pas, il va voir les images. C'est une vieille merde, cet arbitre. C'est une vieille merde. Avec ta tête de facho, d'enculé, là. Va bien manger mes couilles, là. Voilà, tout simplement, les gars, c'est simple, hein. Voilà. Tu joues, tu as des occasions, tu mets pas de but, c'est fini. Le milieu, on les a dominés, c'est ça qui me fout les boules. On les a dominés, touché canette. Allez jouer au loto. Franchement, allez jouer au loto. Si tu es lyonnais, frère, de même, frère, vas-y.
fais l'auto ou fais une Jersey ou fais quelque chose. C'est n'importe quoi, vraiment. Le foot, c'est vraiment cruel. C'est un truc de fou. Trois demi-occasions. Le troisième, ok, c'est un vrai but. Mais deux demi-occasions, ils mettent deux buts. Et voilà. Tout simplement, un manque d'inattention, c'est boum. Nous, un manque d'inattention, c'est un ballon qui est dans les virages. Tout simplement, voilà. On reste deuxième, mais franchement, c'est honteux. La défense à la rue, vous n'avez pas le droit, les gars. Vous n'avez pas le droit, cette nonchalance-là. Vous n'avez vraiment pas le droit. T'es concentration, hein, concentration. Tu le sais quand même, il y a des joueurs qui peuvent faire... Mettre des buts en face. Les Toko et Kambi, les trucs, ça met des buts. Concentration. Concentrez-vous, bande d'enculés, de mes deux couilles. Lirola, tiens à la rue, pareil. Saliba, Kachetakar, Kolasinac, défense de mes deux boules, tout simplement, voilà. Vous avez fait honte. Oh, le stade, grosse ambiance. Franchement, vous avez de la chance d'avoir un public, hein, vraiment comme ça, c'est vraiment n'importe quoi. Vous n'avez même pas représenté. Et à la fin, tu vas comme ça, tu montres ta gueule là, tu mériterais qu'on te gicle dessus. Espèce de gros enculé, va. Bande d'enculés, franchement, une honte. Voilà, on va rester deuxième, on verra bien. Hein. On verra bien. Sampaoli, ben, mangez bien mes couilles, toi aussi. Prenez soin de vous, les gars, rendez-vous là. Je dis, allez l'OM, frérot, hein. Mal à la tête, je vais aller prendre un Doliprane 15 grammes.